Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une mini vidéo. Je dis bien mini parce qu'il n'y a pas grand chose, mais il va y avoir un petit bonus juste après la vidéo. Je ne sais pas si vous allez aimer ou pas. De toute façon, je vais vous expliquer ça. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Et d'ailleurs, je voulais faire une petite aparté. Je voulais remercier vraiment toutes les personnes qui me soutiennent, qui se sont abonnées à ma chaîne. Je vais vous montrer donc les petits messages qui se trouvent ici, 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 un peu partout. Des abonnés donc qui m'écrivent des petits messages et ça me fait trop plaisir, vraiment. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup. Et on va commencer avec la vidéo tout de suite. Pour commencer, alors, je suis allée chez Normal. Donc, c'est un haul Normal. Bon, il n'y a pas énormément. Mais vous savez que je vous montre tout ce que j'achète. Donc, au final, voilà. Pour premier truc, je sais, j'en ai utilisé d'habitude, enfin, de base, il y en a trois dedans. C'est les rasoirs Bic comme ceci, vous savez. Excusez-moi, je vais mourir. Il y a ces trois lames. Et en fait, je les ai pris parce qu'ils étaient roses. C'est tout. Sinon, c'est des rasoirs, quoi. Ils se trouvent comme ceci. C'est des rasoirs classiques. Et franchement, ils fonctionnent super bien. Franchement, j'aime bien. D'habitude, je prends ceux de chez Action. Vous savez, les tout fins. Je préfère les tout fins. Mais en soi, ça fait l'affaire. Il y a quatre lames. Ça rase bien, quoi. C'est des rasoirs. Pour continuer, j'ai acheté ceci. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté, mais je l'ai acheté, je me suis dit ça vaut la peine. C'est bien pour mettre ça dans un sac ou autre en fait. C'est des petites lingettes, je vais vous montrer de toute façon après, vous savez, les apartés. Je kiffe faire des apartés, je vous montre à chaque fois. C'est vendu comme ceci, il y en a, je sais pas combien, il y en a dedans. Il y a 20 pièces, c'est des petits trucs comme ceci. Et quand vous mettez dans l'eau, ça se défait. Et c'est une énorme lingette et franchement elle est super solide. C'est pour les bébés, pour les mains, pour quand il fait chaud, pour dans l'avion, pour se démaquiller. Enfin voilà, c'est vraiment pour tout et je trouvais ça plutôt cool à la place de se trimballer tout le temps avec, avec des mouchoirs ou des gros paquets de lingettes là. Franchement pour ceux qui ont des enfants ou même pour eux, ça c'est vraiment super pratique. Le seul truc effectivement qui est un peu embêtant c'est que il faut toujours une bouteille d'eau ou de l'eau ou quoi que ce soit. Mais voilà, franchement, je trouve ça vraiment top. Donc ça se présente comme ceci. C'est tout compact. C'est... Et quand vous le mettez sous l'eau... Ça gonfle. Regardez. On a des pieds super grands par contre. Regardez, c'est géant. Voilà. Ensuite, j'ai pris un masque pour les pieds. Il faut laisser agir 30 minutes. Je suis en train de lire pourquoi c'était. C'est un peeling. Donc après 4 ou 6 jours, ils disent... vous avez une espèce de truc de peau là qui s'enlève et bon, je sais pas, j'ai pas encore essayé, je verrai bien. Donc c'est celui-ci et il paraît qu'il marche super bien. Donc à voir ce que ça donne. Ça vient du Danemark, à voir, on testera et on verra. Je vais pas vous filmer mes pieds pour vous montrer que ça s'enlève, hein, c'est mon délire, mais bon voilà. Ensuite, vous savez mon addiction, voilà, pour tout ce qui bouffe, j'ai pris ça. C'est des Werther's. En fait, je sais pas le dire, j'invente hein, complètement. C'est au popcorn et vous savez, au pretzel salé. Donc, c'est sucré salé. Si vous saviez le nombre de jours que j'ai ce sac là, que je n'ai pas encore ouvert et que j'attendais juste de vous faire la vidéo, donc ça veut dire que ça, je ne sais même pas ce que ça vaut. Vous savez quoi? On va goûter ensemble. C'est parce que c'est vous, hein. Je vais vous dire ce que j'en pense de suite. On va commencer par le caramel. le popcorn. On va commencer par le popcorn. Un bretzel. A few moments later. Ah bah. Franchement,
c'est bon, il y a un petit goût à la fin de salé, donc c'est pas salé, c'est pas fort salé, c'est plus sucré que salé fatalement, mais c'est super bon. Après, c'est un peu écœurant, donc manger tout le paquet, non, clairement non, mais franchement c'est super bon, à tester, mais voilà, maintenant je ressens encore plus le goût de sel maintenant, c'est bien, mais c'est bon. Pour continuer dans la bouffe, je viens de découvrir un truc, il est ouvert, c'est une barre de chocolat Mr Beast que j'ai voulu tester, mais il est ouvert. Vous savez ce que ça veut dire s'il est ouvert alors que j'ai pas ouvert le sac? Ça veut dire que mon homme a vu les chocolats dans mon sac, les a pris, a pris un bout et a refermé comme si rien n'était. Genre j'allais pas le voir, j'allais pas le voir du tout. Il a ouvert, ah, je vais lui faire la misère. Donc du coup, ben voilà, c'est une barre de chocolat Mr Beast. Donc je... Aïe, je reviens pas, il me l'a même pas dit en plus. Genre... Bah... Du chocolat quoi. Mais encore, il est pas top top, hein, je trouve. Je pense que là, vous voyez, il y a un verre de lait. Je pense que c'est pour mettre dans le lait. Mais ils disent qu'il y a seulement 5 ingrédients. Mais il est pas top top. Enfin, moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Ensuite, j'ai acheté ce dentifrice violet. Je l'ai acheté parce qu'il était violet. Je vous jure que c'est juste pour ça. Et voilà. En fait, je suis trop une fille qui prend pour le packaging. C'est un truc de fou. C'est comme ça qu'ils appâtent les gens. Avec le packaging. Donc voilà, une dentifrice Colgate Max White Purple Wiggle. Donc à mon avis, c'est pour avoir un max de blancheur. Pour continuer, j'ai pris ça, c'est un après-shampoing, mais je l'ai trouvé encore une fois, je l'ai pris pour le packaging. Mais voilà, c'est celui-ci, le Monday. Franchement, il est trop mignon. Donc après, j'ai même pas senti ce qu'il sentait. Ah bah ouais, j'aurais pas su sentir, en fait, il est fermé. Mais ouais, encore une fois, voilà, je me suis fait avoir, je suis une pigeonne, je prends que parce qu'il est beau, et voilà. Après, ça sent rien. Ça sent rien. Après, je me suis dit, peut-être qu'on peut l'ouvrir, ou pas. Bon, ou pas, peut-être. Je réessayerai, et mettre mes produits dedans, à moi, quand je suis en voyage. Ça peut être cool. Alors, le best des best, ça, c'est une... dinguerie, je le prends tout le temps, mais alors quand vous le mettez, je vous assure que le soir même, il faut se laver les cheveux parce que vos cheveux, c'est du carton le truc, mais ça tient super bien, en même temps c'est de la glu, donc voilà, c'est vegan et c'est une intensité de 6, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais ça c'est une dinguerie, c'est cher pour ce petit truc là, mais ça je kiffe, ça je kiffe, en plus ça tombe bien parce que j'en ai plus. Ensuite, j'ai pris un baume à lèvres, hydrate toute la journée, baume pour les lèvres au miel, 100% origine naturelle, cire d'abeille de source responsable. Enfin voilà, je l'ai pris parce qu'il m'avait l'air clean. Donc, et c'est surtout, c'est non testé sur les animaux. Donc c'est celui-ci. Je vous dirai ce qu'il vaut parce que, bah, comme je vous ai dit, je n'ai encore rien ouvert et j'ai pas testé, donc je saurais même pas vous dire si il est bien, s'il hydrate correctement ou pas. Mais déjà, j'aimerais sentir si ça sent le miel. En tout cas, c'est bien sécurisé. Hein, oh oui! Ah oui, ça sent le vrai miel, je vous assure que c'est vrai. Ça sent vraiment le vrai miel. C'est une dinguerie. Ah, j'ai bien fait de l'acheter ce truc. Je suis contente. Bon, maintenant, il faut que je vois si ça hydrate correctement. Mais bref, pour continuer, j'ai acheté... Bon, ça, j'avoue, c'est moi. Ça, c'est moi. Je l'ai ouvert. J'ai mangé presque tout. Mes Milka chips à oil. C'est au cookie. Ça, c'est super bon. Franchement, c'est super bon. Bah, la preuve, hein, il ne reste plus grand chose. Là, je peux vous dire que c'est écœurant, mais c'est du bon écœurant. Enfin, je sais pas si c'est bien. Ensuite, j'ai pris ceci.
J'en ai pris deux. Ben, je pense que tout le monde le connaît, celui-ci. C'est un dupe de Benefit. Mais franchement, une pigmentation de malade. Vraiment. Parce que oui, je l'ai testé. Je vous ai pas attendu sur le coup. Mais une pigmentation, franchement, ne... allez-y, mollo. Léger sur la main. Parce que franchement, c'est une pigmentation de malade. J'ai... Ce truc-là, je suis sûre que je vais le garder au moins un an, tellement on n'en met pas beaucoup. Mais franchement, il est bien. Vraiment, il est très bien. Et pour continuer aussi, j'ai pris dans la même idée, j'ai pris donc un dupe aussi de Benefit. Et ça, c'est le Strawberry à la fraise. Il n'y a pas d'odeur, je pense. Hein. Non, il n'y a pas d'odeur. Mais la couleur, elle est jolie. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. C'est un... À la caméra, ça ressort un peu corail, mais c'est pas corail, c'est vraiment rose. Donc, et ça aussi, c'est super, 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 super pigmenté. Donc, allez-y, mollo. Et le dernier article, donc c'est ça que je vous disais. J'ai acheté ça. Je me lève, je vous montre. C'est un kit de peinture avec des pinceaux pour pouvoir peindre sur des chaussures. Regardez qui voilà. Il vient tout le temps. Ici, mon amour. Dis bonjour encore une fois. Non ? Dis bonjour. Dis bonjour à la caméra. Bonjour. C'est la mascotte. Donc je disais, c'est pour peindre sur des chaussures, faire des petits... je sais pas si vous allez voir, mais vous avez des petits exemples ici. Et moi j'ai pris ça. J'ai été acheter tout à l'heure des chaussures basiques blanches pour ma fiole. Simple, hein, franchement, rien d'exceptionnel. Et je pensais à lui faire un... Parce qu'elle est fan de Stitch, donc je pensais lui faire un petit Stitch dessus et des décos, etc. Et lui donner. Donc ça, je pensais que j'allais vous filmer dans cette vidéo. Donc ce sera la partie. Restez jusqu'à la fin si vous voulez me voir dessiner... Évidemment, je vais le passer en accéléré, mais dessiner et vous donner le rendu alors de ce que je vais faire sur ces chaussures-là. Donc ici pour le haul normal, c'est terminé. Je vous ai dit c'était un mini haul, mais voilà, comme d'habitude, je vous montre tout ce que j'ai acheté. Même si j'achète deux trucs, je vous montrerai. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, juste après, il y a la déco de la chaussure. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Alors on va commencer à peindre les chaussures. J'ai déjà dessiné dessus au crayon, je vais vous le montrer. Après, je suis pas une artiste, hein, ne vous attendez pas à un dessin de fou. Donc dans le packaging ici, vous avez donc le bleu, le blanc, le rouge, le noir et le jaune. Vous avez aussi des pinceaux. Vous en avez 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous avez aussi un petit manuel comme ceci où il est noté des choses dessus. Vous voyez ici, vous pouvez mélanger les couleurs, etc. Et plus vous en mettez, plus ça devient foncé. Donc, je vais vous montrer les dessins. Ne vous moquez pas, ce sera plus joli à mon avis quand ce sera peint ou pas. Donc, comme elle est fan de Stitch, je lui fais la petite fleur ici, comme ceci. Bon, après, elle n'est pas jolie, jolie, mais bon, voilà quoi. De l'autre sens, j'ai fait le petit Stitch ici, avec des petits cœurs et la petite feuille. Bon, là, il a l'air triste, mais en fait, c'est le dégradé de couleur qui vient là, donc j'espère que ça ira mieux. De l'autre chaussure, j'ai fait le Stitch comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir, parce qu'il ne va pas faire le focus, voilà. Donc ici, ce sera dessiné en rouge. Et alors, de l'autre côté, j'ai fait un petit Stitch ici avec son prénom. Donc voilà, ça donne ceci. Maintenant, il reste plus qu'à peindre. Et ça, je vous emmène avec moi. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Thank you.
you're praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I